ils sont restés tout seuls, ou je sais pas comment, qu'est-ce qu'il y a eu, peut-être même, il y a eu une coupure, complètement une coupure, bref. Oui. Donc voilà. Paul, apparemment, il n'y a pas de questions. La parole est à vous pour nous guider dans une méditation. Donc, on a spot, c'est spotting, comment on appelle ça aujourd'hui? Notre Izan Al-Kalima, Al-An, le docteur Jagvin, Kay, Yuwajihana, Fi Ta'amulin, Wahwa, Mawdu'uhu Al-Yaoum. Donc, brain spotting et méditation, n'est-ce pas? Oui, donc aujourd'hui, je vais vous parler de cette méthode de psychothérapie qui est proche de la méditation. Vas-y doucement, parce que là, c'est un sujet un peu nouveau pour moi. Donc, ne prononce pas des phrases trop longues. D'accord. Laisse-moi là. Parce que ni D'accord. les Donc, on autres. va parler du brainspotting. Izan Al-Hadi, comment tu le traduis en français, brain spotting, en ce moment? Brainspotting, donc littéralement, c'est localisation cérébrale. Izan. Localisation. Le brain spotting, huwa يعني كي تحديد في الدماغ بعض الأمور وهو يعني طريقة تأمل جديدة. Voilà, et au fait, on verra que ça a beaucoup à voir avec des localisations importante sur le visage, dans la sensation du وسنرى visage. أن لها اتصال مباشر ب مناطق معينة لا سيما بصورة أساسية في الوجه. Et donc, j'ai fait une formation de 3 jours en juin sur cette méthode. تابعت محترفا من 3 أيام يعلم هذه الطريقة في شهر حزيران الماضي. Elle a été développée par un certain David Grand aux États-Unis. إذن هي طريقة اكتشفها أو وضعها وطورها طبيب نفساني في الولايات المتحدة. Et au début, donc, il a été intéressé par l'EMDR. Mais il a fait une méthode finalement assez différente. إذن بالبداية بدأ بممارسة وتطوير الأMDR أي حركة العينين ولكنه انتهى إلى طريقة مختلفة. Donc elle n'a rien, plus rien à Et voir avec donc, l'EMDR. ben on va préciser ça, hein, on va préciser ça, c'est assez différent. إذن هي طريقة مستقلة ومختلفة عن الأMDR حركة العينين التي تعلمناها. C'est-à-dire, dans l'EMDR, on fait des balayages latéraux des yeux assez rapides. إذن في الـ EMDR حركة للعينين أي نكنس من يمينا إلى اليسار وبالعكس بسرعة. Mais avec David Grand et le brain spotting, on fait des balayages lents. مع الـ brain spotting الحركة تكون بطيئة. Et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il y a des directions du regard où il y a une réaction sur le visage et dans les yeux, par exemple, dans les clignements d'yeux. إذن نتابع حركة وردة فعل الوجه وبعض المناطق في الوجه. Et alors, on explore ces réactions en profondeur. ونحاول أن نستكشف ردات الفعل هذه بالعمق. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut rester fixé pendant 20 minutes, une demi-heure, 3 quarts d'heure sur la même direction du regard. إذن ابتداء من ذلك يمكن أن نبقى ثابتين 20 دقيقة أو أكثر باتجاه واحد للنظر.
Et donc, ça commence comme le MDR avec un balayage des yeux, mais après, ça devient différent. يبدأ مثل الـ EMDR بحركة للعينين ولكنها تختلف مع الممارسة والوقت. Et donc, le MDR marche bien pour des traumatismes simples, par exemple un accident de voiture ou des choses comme ça. الـ EMDR حركة العينين فعالة في صدمات معينة مثل مثلا حادث سيارة أو غيرها. Alors que le brain spotting marche aussi pour des traumatismes complexes, c'est-à-dire des choses répétées, par exemple. إذن في حين أن brain spotting يمكن أن يكون فعالا في صدمات كبيرة. Par exemple, si on a une famille pathologique, on aura des blessures différentes et complexes. Et donc, avec le brain spotting, c'est mieux, enfin, ça semble plus efficace que le MDR dans ces cas-là. إذن في مشاكل كبيرة نفسانية أحيانا يبدو أن البرين سبوتينج أكثر فعالية في معالجتها. Et ce qui m'a amené à introduire le brain spotting dans cette série de cours, c'est que ça ressemble beaucoup à certaines formes de vipassana. إذن والذي شجعني يقول دكتور فيني على إدخال البرين سبوتينج أنها طريقة تشبه كثيرا طرق تأمل الفيباسانا. Dans certaines pratiques de vipassana, de ce que j'ai appris avec Goenka, on se fixe sur une sensation et on reste longtemps dessus. إذن مثلا في الفيباسانا التي يعلمها غوينكا نثبت نتثبت أو نقف عند إحساس معين ونطيل هذه الوقفة. Et donc, en se fixant dessus, eh ben, on voit à quoi la sensation est associée en profondeur. إذن la sensation est associée. بوقفتنا نستطلع لنرى بماذا ترتبط هذا الإحساس بماذا يرتبط بعمق بالعمق. Et donc, le conseil est le même qu'en vipassana, garder la respiration libre. والنصيحة العامة في الفيباسانا أن نحافظ على تنفس حر. Tout en restant complètement immobile. وفي الوقت عينه بالوقت أنه لا نتحرك نبقى ثابتين. إذن تنفس حر بمعنى لا نغير بوتيرة التنفس ونبقى ثابتين في مكاننا جميلين دون أن نتحرك. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose d'assez compréhensible. عندها يحدث شيء يمكن أن نفهمه بسهولة. Comme on ne peut pas échapper désagrément de l'immobilité en bougeant, c'est la respiration qui bouge. إذن بمجرد أن نتثبت لا نتحرك عندها التنفس يتحرك. Elle peut s'activer et se calmer comme dans l'observation du souffle naturel en vipassana. إذن التنفس أو يهدأ أو أيضا ينشط أكثر، يعني هناك وتيرة مختلفة للتنفس في البرين سبوتينج ومثل ما هو في الفيباسانا. Et quand la respiration s'active, elle fait ressortir plein de problèmes, de crispation corporelle et d'images reliées au point qu'on explore.
إذن وعندما ينشط هذا التنفس يخرج الكثير من التشنجات المرتبطة بالنقطة بالجسد التي نحاول استكشافها. Et quand ensuite la respiration s'apaise, ça permet de libérer ces crispations et d'avoir un début de guérison. وعندما التنفس يهدأ هذا يتيح خروج هذه التشنجات وبالتالي بداية الشفاء من هذه المشاكل. Voilà, donc maintenant on va voir les on va faire la pratique. والآن يعني سنبدأ الممارسة. Donc le mieux c'est de fermer les yeux. نغمض العينين. Et puis on part par exemple de l'extrême gauche et on va vers l'extrême droite lentement. Then من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين ببطء. Qu'est-ce que, yani, on ne bouge pas la tête, c'est uniquement... On ne bouge pas la tête, non, c'est simplement les yeux qui bougent. Mais, et les yeux qui sont déjà fermés, n'est-ce pas? Oui, donc on a les yeux fermés, mais intérieurement, on bouge de gauche et de droite, et je vais mais lentement. Donc traduire ça, « إذن يبقى الرأس ثابتاً » والعينان مغمضتان ولكن نحرك داخليا العينين يعني وهما مغمضتان نحركهما حركة بطيئة. Et donc on est attentif parce que il y a des directions du regard où il y a une réaction. إذن نتنبه لأن هناك في بعض وجهات أو النظر يمكن أن يكون هناك ردة فعل ما. Ça fait une petite douleur ou alors un clignement des yeux. يمكن أن نشعر مثلا بألم ما أو بجفاف في العين. Ou une réaction ailleurs dans le corps. أو أي ردة فعل في مكان آخر من الجسم. Ou une modification de la respiration, quel qu'en soit le type. أو تغير في التنفس. Et donc, au début, ben, on s'entraîne, donc on fait le mouvement des yeux très lentement. في البداية حركة العينين هذه نقوم بها ببطء. Et on est attentif aux réactions, en particulier sur le visage. Alors, quand on fait avec un thérapeute, il peut le voir lui aussi et nous le dire. إذن أيضا المعالج يمكن أن يرى شيئا على الوجه عندها ويقوله لنا. En pratique, il a comme une antenne de radio qui peut déplier et quand il voit qu'il y a un point qui réagit, il arrête l'antenne à cet endroit-là, le bout de l'antenne, donc. وكأن عنده أنتان عندما ينظر أن هناك أي مكان ما عنده ردة فعل يسجله. Et donc il ensuite étend l'antenne pour pouvoir la caler sur son genou. Il est en face donc du thérapeute et à ce moment-là, le client regarde le bout de l'antenne et commence le travail. إذن يسجله المعالج الذي يكون بمواجهة
المريض وأي تغير في الوجه أو ردة فعل ينبه الممارس عليه. Mais quand on fait le brain spotting seul en méditation, on peut simplement ouvrir les yeux et regarder vers quel objet en face de nous va son regard. إذن ولكن عندما نمارس هذا التأمل لوحدنا يمكن ببساطة أن نفتح العينين ونرى إلى أين يذهب النظر. C'est-à-dire quand on a trouvé une direction qui réagissait, là on ouvre les yeux et puis on prend son point de repère à l'extérieur. Et par exemple, si on regarde à 45 degrés à gauche, on peut voir le milieu de la fenêtre et à ce moment-là, on prend ça comme point de repère. Then, إذا نظرنا على زاوية 45 درجة إلى اليسار يمكن أن نرى مثلا النافذة وعندها نأخذها كنقطة مرجعية. Et à ce moment-là, on le fixe des yeux et puis on essaie de ne pas le quitter en laissant la respiration s'activer et puis s'apaiser. إذن عندها نثبت نظرنا مثلا على هذه النافذة وندع التنفس إما أن يهدأ أو يثار أكثر. Et à ce moment-là, c'est comme une pelote de ficelle qu'on tire. Hein, finalement, il y a plein d'informations, d'associations, d'images et de sensations qui remontent. نسجلها ويمكن أن تكون لها فائدة علاجية. Alors maintenant, donc on peaufine la technique, on détaille la technique. Et donc là, je vous ai parlé d'un balayage horizontal. حدثتكم عن balayage, أي حركة أفقية. Mais maintenant, à partir du point du balayage, de l'angle du balayage horizontal qui a réagi, on fait la verticale. الآن انطلاقا من الحركة أو نقطة حركة الأفقية نقوم بحركة عمودية العينين. Et on fait le même travail pour la verticale qu'on a fait pour l'horizontale, c'est-à-dire chercher un ou des points qui réagissent. إذن نقوم بالعمل نفسه الذي قمناه في الحركة الأفقية أي في حركة الآن عمودية نبحث عن نقاط لها ردة فعل. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous faites des points du visage qui réagissent, إذن علينا أن نفهم إذا لاحظتم أن نقاط معينة من الوجه لها ردة فعل. Ces points orientent notre regard à la fois intérieur et extérieur. هذه النقاط توجه
انتباهنا إلى نقاط أخرى في الداخل أو في الخارج. Et un point du visage se projette sur notre champ visuel extérieur de façon régulière. ونقطة من الوجه يكون عندها إسقاط على نقاط في الخارج. Par exemple, si on a une sensation dans le front à gauche. إذا كان عندنا إحساس مثلاً في العمق عن في ناحية اليسار. Eh bien, ça se projettera dans notre champ visuel en haut à gauche. سيكون له إسقاط على حقل النظر عندنا في ناحية اليسار. Et à ce moment-là, il suffira de prendre les repères dans notre champ visuel pour retrouver le point facilement. وعندها يعني نأخذ مراجع معينة إحداثيات معينة في حقل النظر عندنا. Par exemple, dans la bibliothèque en face de nous, en haut à gauche, le gros dictionnaire rouge. مثلا في مكتبة إذا كان في الغرفة مكتبة نأخذ مرجع نقطة قاموس أحمر أو أي كتاب تدخين. Et donc c'est important parce que à ce moment-là on va fixer ce point pendant 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure et pour bien en extraire toutes les informations. إذن سنثبت نظرنا على هذه النقطة نحو مثلا 20 دقيقة كي نستخرج منها كل المعلومات الممكنة. Il y a plein d'associations d'images, de sensations, d'émotions qui remontent autour de ce point quand on reste fixé sur lui. الصور التي يمكن أن نستخرجها و تكون علاجية. Bien, maintenant on commence la pratique, c'est-à-dire on reprend la recherche d'un angle qui réagit dans la ligne horizontale et puis ensuite dans la ligne verticale à partir de l'angle qui réagit. Donc, d'abord horizontal, ensuite vertical. الآن الممارسة أول شيء حركة أفقية على إذن بلان أفقي ثم حركة عمودية على بلان عمودي ونحاول أن نحدد نقاط معينة لها ردة فعل. Donc vous avez compris, hein, quand vous avez trouvé un point qui réagit sur l'axe horizontal, à partir de là, vous faites passer un axe vertical et vous précisez si le point qui réagit il est un peu plus au-dessus, un peu plus en dessous, ou à l'endroit même. تطبقون على البلان العمودي. Donc surtout au début, on va bien lentement pour sentir les moindres réactions selon les angles du regard. حركة بطيئة كي نسجل ونتحسس كل ردة فعل. Quand on a trouvé le
point sur la verticale qui réagit le plus, on ouvre les yeux et on voit dans quel point du scénario la scène en face de nous, ça se projette, donc, sur une lampe, sur un livre, à la bibliothèque, etc. النقطه التي عندها ردة فعل بالأكثر على مستوى العمودي نفتح العينين لنتفاعل معها. Et maintenant on commence le corps, c'est-à-dire la partie principale du travail. والآن نبدأ القسم الأساسي من عملنا. Ce qu'il y a d'important à comprendre, c'est que c'est un double travail. On fixe le point à l'extérieur pour soutenir la concentration. Mais en même temps, on est très sensible à la sensation du visage. بنفس الوقت دائما نكون متنبهين لإحساسات الوجه. On apprend, vous le savez, à lire les émotions sur le visage des autres grâce aux neurones miroirs. نتعلم أن نقرأ إحساسات الآخرين من خلال الأعصاب المرآة نيرون ميروار عندنا. Les neurones miroirs nous font imiter automatiquement les tensions du visage de l'autre sur notre propre visage. إذن الأعصاب المرآة بتنسخ الإحساسات الآخرين من وجه هذا الآخر إلى وجهنا. Ces tensions précises nous aident à sentir des émotions précises en nous. هذه التوترات المعينة تساعدنا كي نتحسس توترات في داخلنا. Et comme ça, on peut sentir les émotions précises de l'autre en quelque sorte en miroir. وهكذا يمكن أن نتحسس إحساسات وتوترات الآخرين وكأنها تنعكس بمرآة عندنا. Donc les animaux ont un peu de miroir, de neurones miroir. Les chimpanzés en ont plus et l'être humain en a beaucoup plus. إذن الإنسان عنده الكثير من الإحساسات أيضا. الإحساسات بالمرآة يعني وأيضا القرود نعرف أن القرد تقلد بعضها أو يقلد الإنسان لأن الأعصاب المرآة عنده قوية وجد فعالة. Et donc ça peut donner explication assez simple de l'efficacité de ce travail. ما يمكن أن يعطي تفسيرا فعالا لناجعية وفاعلية هذا العمل. Chaque point du visage, chaque zone du visage est reliée à des émotions précises et une série de souvenirs précis. كل منطقة من الوجه مرتبطة بذكريات محددة معينة. Et c'est justement ça qu'on observe et qu'on exploite pour faire ressortir des choses problématiques. Et ce qui advient en Vipassana comme en breathspotting, c'est que le diagnostic est suivi de la thérapeutique. Le mohem, en fait, le breathspotting, le Vipassana,
التشخيص تتبعه معالجة. Et donc, suffit de laisser la respiration faire son travail, s'activer, se calmer, s'activer, se calmer. Et puis, on déterra comme ça ce qu'il y a de bon à déterrer et on comprendra ce qu'il y a derrière ce petit blocage du visage. يكفي أن نترك التنفس بحركته ما بين حركة هادئة أو حركة سريعة بتغير هذه الحركة يمكن أن ننظف الكثير من المناطق من هذه الإحساسات الكامنة فيها. La difficulté pratique et concrète, c'est de pouvoir rester concentré longtemps sur le même point extérieur, c'est-à-dire par projection sur le même point du visage. الصعوبة هو أن نبقى مركزين لفترة طويلة على نقطة معينة في الخارج وبالتالي على منطقة معينة أو نقطة معينة من الوجه. Et donc là, le thérapeute peut aider beaucoup parce qu'il a son antenne, il nous demande de regarder le bout de l'antenne. Il reste là pendant 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. هنا المعالج يمكن أن يساعد لأنه من خلال الأنتانه يمكن أن يسجل تغيرا ما أو نقطة معينة ويوجه نحو هذه النقطة. Donc naturellement, on se dit, il ne faut pas lui faire perdre son temps, et donc on explore et on persévère dans l'étude de ce point. Et les sensations qui remontent autour de ça. نتابع عندها الاستكشاف في هذه النقاط الأساسية. Donc en reprenant le point extérieur qu'on a mémorisé, on retrouve la sensation de départ et on peut approfondir son exploration. نأخذ النقطة الخارجية التي تذكرناها وانطلاقا من هذه النقطة نعاود تشغيل ردات الفعل في الوجه وتذكرها. Et donc, vous avez compris le système, il faut être très immobile. Comme ça, la seule manière de soulager la pression, c'est la respiration. إذن المبدأ أن نبقى جامدين ثابتين ونترك التنفس هو بتغيره يعالج هذه الانطباعات والإحساسات. Il y a une analogie qui peut aider beaucoup, c'est la cocotte minute. هناك تشبيه يمكن أن يساعدنا كثيرا هي طنجرة الضغط. Donc, quand on est immobile, on est comme une cocotte minute fermée. عندما نكون ثابتين نحن مثل طنجرة الضغط المقفلة. Et donc, si on retire le sifflet, toute la vapeur doit sortir par le tuyau du sifflet. إذا نزعنا عنها رأسها عندها كل
البخار سيخرج من منطقة هذه الصفيرة تبع طنجرة الضغط. Et ça permet de donc de concentrer le travail sous forme de respiration qui s'active et se calme. ما هذا ما يتيح أن نركز العمل على نقطة معينة أساسية تعمل. On peut même sentir l'inspire et l'expire qui passent à la fois par le point extérieur et la sensation du visage correspondant, donc dans le même angle avec la même direction. مثلا أن نتحسس الشهيق والزفير الذي يمر على نقطة ما من الوجه ومفعوله وعمله وتأثيره في هذه النقطة. Donc bien focalisé sur le point extérieur comme sur la zone correspondante du visage, mais avec une respiration libre. التركيز على النقطة الخارجية وما يرتبط بها في من نقطة تفاعلية في الوجه. L'activation respiratoire permet la remontée de beaucoup de crispations associées. إذن تفعيل النفس يتيح إخراج الكثير من التشنجات المرتبطة بنقطة معينة. Et l'apaisement respiratoire permet la guérison de ces crispations associées. والاستراحة التنفسية الهدوء التنفسي يتيح شفاء التشنج في هذه المنطقة. Et c'est conseillé de faire plusieurs cycles d'activation et d'apaisement. Par exemple, une demi-minute en activation, une demi-minute en apaisement, et de recommencer. من التفعيل نقطة ثم تهدئتها ثم تفعيلها وتهدئتها عبر حلقات متعددة. Voilà, maintenant donc on a donné les explications de base, donc on peut dire 5 bonnes minutes pour la pratique, 5-10 minutes. الآن أعطينا الشروحات الأساسية وخمس دقائق الآن من الممارسة. Donc on a les yeux ouverts dans une direction fixée et on est sensible à la sensation du visage dans la même direction. Exactement. العينان مفتوحتان في اتجاه محدد معين ونكون متنبهين لإحساسات الوجه في الاتجاه عينه.
Si on a quitté le point, on y revient, on revient à la sensation du visage correspondante dans la même direction et à la respiration naturelle. تحولنا عن هذه النقطة نعود إليها مع إعادة أيضا الانتباه على التنفس Alors, on a remarqué depuis Pierre Janet que les traumatismes se répétaient dans la tête parce qu'ils correspondaient à des mouvements qui n'étaient pas terminés. إذن لوحظ أن الصدمات المتكررة في الرأس ترتبط في بمناطق غير محددة. Et par exemple, si on a un mouvement de colère qui remonte à propos de cette direction, eh ben, on l'accepte et on a la respiration de colère correspondante jusqu'au moment où elle s'épuise. إذن إذا مثلاً كان عندنا في اتجاه معين إحساس بالغضب نقبل به وندع التنفس يعالجه من خلال تنفس الغضب الإسراع في التنفس يعني يسرع تلقائيا ثم بتبطئته نكون ساعدنا في علاجه. Et c'est comme un abcès qui crève. مثل تماما جرح نفقعه. Mais ça n'a pas les effets négatifs de la colère parce que c'est juste dans l'angle qu'on s'est donné et le reste du corps ne participe pratiquement pas. La, ليس لها المفاعيل السلبية للغضب لأنه فقط محصور ردة الفعل في الوجه أما بقية أعضاء الجسم فهي غير لا تتهيج لا تتحرك مع هذا الغضب. Donc, on continue à pratiquer pendant quelques minutes encore. نتابع الممارسة خلال دقائق أخرى.
Quand la respiration s'apaise, on sent toutes les tensions qui se dissolvent comme le mot soleil. عندما تهدأ تهدأ حركة التنفس نحس كل التشنجات وكأنها تذوب مثلما تذوب في أشعة الشمس. Cette dissolution comme brume au soleil, c'est un processus général de méditation. هذا الذوبان هو سياق عام في التأمل. Mais là, on l'explore dans une direction donnée, c'est donc quelque part plus précis et plus efficace. ولكننا هنا نستكشفه ونستخدمه بتوجه معين يكون أكثر فاعلية. Ça permet d'aller plus profond en pratique courante. ما يتيح أن نذهب بعمق أكثر في الممارسة المألوفة. Donc maintenant, on persévère, on presse encore plus le citron, comme on dit. والآن يمكننا أن نتابع ونكون ننتظم في هذا هذه الممارسة وبالتالي نعصر الحامضة أكثر. Et donc en faisant comme ça un ou deux cycles d'activation et d'apaisement de la respiration, on découvrira plus de choses. ومن خلال حلقتان أو أكثر من التنفس وتهدئة التنفس نكتشف المزيد من الأشياء. Et on guérira plus de choses. ويمكن أن نشفي أشياء كثيرة أخرى. Maintenant, donc, on ferme les yeux et on fait une autre technique complémentaire. الآن نغمض العينين ونمارس تقنية أخرى. مساندة للأولى. C'est la technique du point ou de la zone ressource. هي تقنية النقطة أو المنطقة التي تشحن تمون. Donc, on cherche en soi un point qui est toujours tranquille, qu'on sent comme toujours tranquille. نبحث في جسدنا عن نقطة تكون هادئة دائما. Et on s'en sert comme refuge, comme ermitage, et on va, on retourne à l'intérieur de ce point, de cette zone. إذن تكون وكأنها ملجأ لنا وندخل و
وندخل الفكر في هذه المنطقة الهادئة. Et donc, et sur ce point, la technique est la même, une succession d'activation et d'apaisement respiratoire. وعلى هذه النقطة الطريقة عينها تناوب من تفعيل التنفس وثم تهدئته. Et si on veut que le travail soit intense, on renforce l'immobilité complète du corps. وإذا شئنا أن يكون العمل أقوى نعزز الجمود يعني هدوء الحركة بمعنى أن يبقى جسمنا جامدا هادئا دون أن نحركه. Et donc cette immobilité complète du corps c'est aussi un conseil en méditation. هذا الجمود الكامل للجسم يقوي هذا التأمل. C'est aussi une manière de faire face. هي طريقة أيضا للمواجهة. Et on retrouve la définition de la méditation par Maître Vanchi, faire face, se détendre, trouver son équilibre. إذن نستعيد تحديد ماتر كانكشي للتأمل ألا وهو المواجهة والاسترخاء كي نجد نقطة توازن جديدة. Maintenant, donc, on pratique pendant quelques minutes sur cette zone ressource pour bien l'ancrer en nous. إذن نمارس بضع دقائق لهذه النقطة التي تشحننا من جديد كي نثبت هذه الممارسة ونقويها. Une zone qu'on sent complètement paisible. Et comme l'œil du cyclone. إذن منطقة نحسها هادئة تماما مثل مركز السيكلون أي التيار.
Maintenant, on fait le home final. الآن سنردد الأوم الختامي. C'est un peu comme une sorte de retour à l'unité. هو وكأنه عودة إلى الوحدة، وحدة الجسم والفكر. Et un peu comme un rinçage à grande eau après le lavage de la méditation. وكمثل أنه تنشيف بعد أن يكون يعني مثل الإنسان يتحمم وبعدها يجفف جسده بمنشفة. Bien, maintenant, si vous avez des choses à échanger, on peut le faire soit sur l'intervention de Louis, soit sur la mienne. Ben, apparemment, quelle est l'utilité, il me semble, d'après ce que tu as expliqué, l'utilité, elle est un peu limitée de pratiquer cette méthode sans un thérapeute qui est en face. C'est lui qui précise, c'est lui qui aide. Alors, oui et non, si tu veux, la spécificité de cette méthode, c'est que justement, le thérapeute n'interprète pas. Hein? Donc, il nous laisse vraiment faire notre travail. Il nous donne la méthode. Oui, mais c'est lui qui localise. Il encourage pour la concentration, pour la persévérance, tu vois. Et j'ai vu des vidéos de David Grant en train de travailler avec des sujets. Et il est vraiment là pour encourager en disant « Continuez, allez plus loin, on a tout notre temps, je suis là pour vous. » C'est vraiment ce genre de conseil qu'il donne. Et donc, les gens explorent par eux-mêmes. Donc, si on a une base de concentration avec la méditation, on peut faire beaucoup de choses par soi-même. Parce qu'il n'y a pas besoin d'interprétation du thérapeute dans cette méthode. C'est vraiment juste la méthode. Et puis ensuite, on explore par soi-même. Il y a Noureddine qui dit technique passionnante. Voilà, lui qui est psychiatre en ville maintenant. Et effectivement, donc, David Grant a formé à cette méthode 15 000 psychothérapeutes. C'est-à-dire, c'est des psychothérapeutes qui sont déjà thérapeutes installés, mais ils apprennent cette méthode en plus. Donc, 15 000, ça veut dire que ça a touché les gens. Et ils ont fait des études aussi, par exemple, après le Bataclan, ils ont comparé différentes méthodes pour défaire le traumatisme de l'attentat. Et donc, celle qui arrivait en tête, c'était l'EMDR et le brain spotting. Et donc, il y a des études en cours aussi. Et donc, et puis dans le séminaire où on était, donc on était peut-être 20-25 thérapeutes. Et dedans, il y avait un professeur de psychiatrie de Tours qui est un spécialiste en France du traitement des traumatismes. Et donc, il prenait suffisamment cette méthode au sérieux pour venir se former lui-même à cette nouvelle méthode, un professeur de psychiatrie de Tours. Donc, si j'ai bien compris, c'est essentiellement donc, utiliser la respiration pour dégager des tensions du corps. Oui, mais avec une focalisation au niveau du visage
Et comme le visage est très sensible aux émotions, ça permet de faire un travail plus focalisé et plus précis. Mais sinon, quand on a l'habitude, on peut le faire avec n'importe quelle partie du corps. Et donc, c'est là où ça rejoint Vipassana. Mais pour la thérapie, pour des gens qui ne connaissent pas la méditation, le visage est bien parce qu'on lit facilement les émotions sur le visage. Et puis, on a ce support d'une direction extérieure avec un point qu'on repère, donc soit le bout de l'antenne, soit un point dans la scène qui est en face de nous. Et ça fait un bon support de concentration. Parce que On ne peut pas se contenter d'observer les sensations du visage ou de localiser les tensions au niveau du visage sans ouvrir les yeux et les relaxer à ce moment, les détendre. Alors, c'est plus que ça, c'est rester fixé dessus. Et au début, comme le corps et l'esprit n'aiment pas être fixés, et bien, il y a une réaction d'activation de la respiration et ensuite simplement une détente. Pour ça, c'est différent de la détente directe. Et c'est là où il y a l'aspect exploration thérapeutique qui joue. C'est-à-dire, on laisse la respiration faire ce qu'elle veut. Et en général, au début, elle s'active parce que le corps n'aime pas être immobile. Donc, il cherche une échappatoire, comme le sifflet de la cocotte minute. Quand on le retire, toute la vapeur sort par le tuyau. Donc, le tuyau, c'est le point qu'on observe, soit à l'extérieur, soit au niveau du visage, qui est sur la même ligne. Donc, c'est un peu comme s'il y avait une lampe à l'intérieur de la tête et avec un abat-jour et qu'il y ait des taches noires sur l'abat-jour. Et donc, la tache noire sur l'abat-jour correspondra à une tache projetée au loin. Ou alors, à l'inverse, si c'est un abat-jour noir avec juste un trou, et bien ce trou, dans une direction, fera un rayon de lumière qui se projettera sur le mur en face ou sur la bibliothèque en face. Voilà, donc ça permet de retrouver la sensation, parce que les sensations, sinon, quand on a les yeux fermés, on les perd assez rapidement. Alors que là, si on a projeté la sensation sur un élément de 10 minutes, c'est une astuce technique comme ça qui permet de travailler plus en profondeur sur une sorte de créneau, un peu comme une meurtrière dans une muraille, et on sait où on regarde et on envoie sa flèche dans cette direction. Et donc, essentiellement, immobiliser le corps, Jacques. Souvent, on essaie de l'immobiliser, mais on a tendance à bouger. Donc, il faut vraiment s'empêcher de bouger. Oui, par la conscience. Hein. On pourrait faire un jeu de mots en français. On pourrait dire, plus il y a de jugeote, moins il y a de bougeote. Et moins il y a de bougeote, plus il y a de jugeote. Plus il y a de... Tu sais, la bougeote, c'est l'envie de bouger. Oui. Et puis la jugeote, c'est la conscience. Et attends, c'est-à-dire, si on arrive à immobiliser le corps, on peut à ce moment beaucoup plus fixer et immobiliser l'esprit. Ben, c'est parce que ça crée une réaction, un peu de colère, quoi. Hein, comme un enfant qu'on essaie de ceinturer, il se débattra. Et donc, cette réaction de colère donne une activation respiratoire. Et par l'activation respiratoire, il y a plein de choses qui ressortent. C'est ça l'intérêt. Parce que si on veut relaxer directement, avec une respiration volontairement relaxante, à ce moment-là, on risque de couvrir ce qui voulait ressortir. C'est pour ça que le Bouddha, il a insisté sur une respiration libre. Parce qu'on ne sait jamais ce qui va ressortir, et il y a des choses qui ressortent, qui donnent une activation respiratoire, et il faut l'accepter. Il ne faut pas chercher à tout le temps relaxer, anesthésier. Sinon, on passera à côté de choses profondes. Donc là, il y a une convergence entre cette méthode et le Vipassana avec sa respiration constamment libre. Et quand on a une respiration qui s'agite, ce n'est pas un échec hein, de la méditation. Au contraire, c'est que sans doute, on passe une porte pour aller plus profond. Et je me rappelle, Jacques, en Vipassana, à un certain moment, un jour, parce que on nous demande, je ne me rappelle plus du nom, elle a un nom en pali, de faire la méditation une heure sans bouger, sans
sans rien bouger, c'est-à-dire de garder toujours le corps fixe. Et ce n'est pas évident parce qu'une heure, tenir comme ça une heure sans rien bouger dans le corps, c'est quelque chose d'assez difficile. Mais ils nous déconseillent de faire ça chez nous, à la maison. Ils disent qu'essentiellement, contentez-vous de pratiquer ça là, mais ne la faites pas chez vous. C'est pas dangereuse, mais elle est ennuyante en quelque sorte. Oui, c'est parce que ça crée une certaine tension, mais justement, si on a compris qu'on peut défaire cette tension par la respiration, à ce moment-là, ça aide bien. Donc, une immobilité dans le corps va induire essentiellement et impérativement un mouvement au niveau de la respiration avec un va-et-vient. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, il y a une question de Rosine. Qu'est-ce que vous pensez des techniques de code émotionnel? Eh bien, je ne peux pas dire est-ce que je ne les connais pas. Hein, je ne les connais pas. Et voilà. Donc là, je vais arrêter là parce que je suis au centre Ramakrishna, puis on a le dîner avec le Swami. Donc, il faut que je sois avec le Swami là. C'est un peu officiel comme situation. Et donc, De toute façon, on a je passé deux souhaite. bonnes heures là, ça fait exactement 2 heures Oui, c'est bien. de travail. Voilà. Allez, au revoir à tous. Et puis, Au pour revoir. ceux qui suivent le samedi et le dimanche, donc je vous dis à samedi et dimanche. Allez, au revoir.